Bonsoir, merci d'être là. Je ne vais pas vous embêter trop, mais les rencontres de Tapage, c'est un peu comme un feuilleton ou les séries télévisées. C'est toujours à suivre. Donc moi, je suis là pour faire le point, en essayant de faire le point de là où on en est. Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, premier jour des rencontres, je dis ou je rappelle que nous avons... eu un petit débat après le film à propos de M. Maurice Papon et nous avons agité quelques questions que je voudrais juste rappeler, la question de l'obéissance et de la désobéissance d'ailleurs, celle de la continuité de l'État, celle qui opposerait deux abstractions, la justice avec un grand J et l'histoire avec un grand H, et puis plus profondément et plus difficilement aussi, nous avons parlé de la continuité du temps qui est fait de multiples variations tellement différentes qu'elles apparaissent incomparables. Et voilà, on est resté à peu près là-dessus. Bref, on a essayé de s'éclairer en s'assombrissant un petit peu, puisque nous sommes restés avec nos questions, un peu plus clairement peut-être, mais toujours avec des questions. Voilà, ce soir nous parlons d'un tout autre sujet qu'un procès. Nous allons parler de la justesse, de l'habité, de la cohabitation, du droit à la ville. Tous les intervenants sont là. Inch'Allah, c'est vachement bien. Je vous rappelle qu'il y a une table d'une librairie exposition de livres qui sont à votre disposition, moyennant finances, évidemment. Comment ? Et à propos de quoi, on remercie d'ailleurs la librairie La Colline aux Livres qui nous a accompagnés dans cette sélection de livres. Voilà, à tout à l'heure pour la discussion. Il arrive. Bon, ben pendant qu'il arrive, merci monsieur Jacques Lévy. Moi, j'ai compris au moins un truc, c'est que les images doivent être lues. Enfin, qu'on peut lire des images comme des livres, quoi. Et j'en profite pour signaler que ce livre est toujours disponible si vous voulez le lire et le relire, le voir et le revoir. Sur Internet, ce film est toujours disponible. C'est ça, hein ? Oui, sur Vimeo. Très bien. Alors, en attendant Alain qui va bientôt arriver, on a décidé, mes petits camarades et moi, que c'était vous qui commenciez. Nos aimables hôtesses et hôtes sont avec un micro-baladeur, donc vous avez qu'à commencer. Voilà. Inch'Allah. Ne vous précipitez pas, mais il suffit de lever la main, hein. Non, mais je ne savais pas que j'allais intervenir tout de suite. Ma question est pour Jacques Lévy. Donc ce film, il n'est pas si chiant que ça, contrairement à ce que tu affirmes sur tous les blogs de géographie. C'est juste une première question comme ça, c'est la quasi-absence de son. On entend quand même des paroles, des propos, des bruits. Une omniprésence d'une musique... donc voilà, d'auteur contemporain. Pourquoi ce choix de quasi-absence de son dans cette description de l'urbain ? Parce que l'habiter, c'est aussi du son. Voilà, première question. Parce que c'était trop difficile. En fait, bon, y a quand même du son. En effet, il y a le son off, et puis on n'avait pas les moyens de faire une prise de son sophistiquée. Mais c'est aussi parce que le son peut être tellement fort pour produire de l'espace que si on avait mis l'accent sur le son diégétique, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire le son qui est dans l'espace, dans l'environnement qu'on filme, hein, donc contrairement
un son fabriqué en studio, fabriqué à l'extérieur. Donc ça aurait pu faire un tout autre film. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Wim Wenders, Lisbon Story, donc, qui est l'histoire d'un ingénieur du son qui explore Lisbonne en attendant le réalisateur. Et il démontre que... on peut construire l'espace de la ville de Lisbonne essentiellement, il y a quand même des images dans ce film, mais essentiellement par le son. Et donc c'est vrai que ce serait un autre film. Il y a déjà beaucoup de sons en fait dans ce film. Il y a aussi des voix off qui sont, et notamment celle qui me représente, qui est extrêmement dogmatique. Et par ailleurs, il y a la musique qui est très dérangeante, enfin qui se voulait dérangeante. Donc ça faisait déjà beaucoup. Et d'ailleurs, quand je discutais avec le monteur, lui qui est lui-même un réalisateur, quelqu'un qui n'a pas peur de faire des choses dérangeantes, il me trouvait quand même un petit peu téméraire de proposer des séquences entièrement sans son, enfin, qui étaient plus longues au départ que ce qu'il y a, parce que j'ai quand même... parce qu'il me disait toujours, il avait raison, bon, là, tout le monde va partir, donc ne laisse pas plus de 10-15 secondes sans aucun son. Et c'est vrai que nous sommes habitués, hein, il y a une histoire du cinéma, bien sûr, même si on se situe... en dehors, aussi innovant qu'on veuille se situer, dans un univers aussi innovant qu'on veuille se situer, de toute façon, on fait avec l'histoire du cinéma. Et donc, vous savez par exemple que la longueur des plans a été divisée par deux depuis une cinquantaine d'années. Hein, donc, on peut résister, bien sûr, on peut faire d'autres choses. On peut essayer d'innover, mais il faut aussi partir de là où on en est. Donc voilà un peu pourquoi ce son et pas un autre. Je pense que c'est aussi un film que j'ai fait sans avoir d'expérience de réalisateur. Hein. C'est la première fois que j'étais en position de réalisateur. Et donc il m'a semblé que j'avais déjà beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai renvoyé l'apprentissage du son au film suivant. Bien. Alors Alain, tu n'étais pas là, mais on a décidé que c'était la salle qui commençait. Et d'ailleurs, elle continue. Le thème du festival étant la justice, je n'ai pas très bien compris le rapport de ce film avec la justice. Merci de cette excellente question. Oui, alors, bon, ce n'est pas de ma faute. Je suis une victime collatérale des choix étranges des organisateurs de ce festival. Mais néanmoins, comme je veux rester en bon terme avec eux, je dirais que non seulement ils ont fait un choix intéressant, mais un choix stimulant. Et je pense que la qualité de ce choix se situe autour du couple justice-justesse que Gilles a développé un tout petit peu dans son intervention liminaire hier. La justice du tribunal, c'est une justice qui vient a posteriori pour réparer quelque chose, pour reconnaître quelque chose de mal qui s'est produit. On est à une des bornes de la justice, et une borne qui serait complètement inverse, c'est un monde où on n'a pas besoin de tribunaux parce que les choses s'organisent, les gens s'organisent d'une manière où il n'y a pas de crime, où il n'y a pas de choses terribles, il n'y a pas de choses irrémédiables qui sont commises. L'espace public me paraît un bon microcosme pour comprendre cette idée que on n'est pas forcément heureux dans l'espace public, et surtout on n'aime pas les gens, on n'a pas besoin d'aimer, c'est même recommandé de ne pas aimer les gens qu'on croise
dans l'espace public. Hein. C'est ce que dit le texte de Calvino. Si on commençait à tomber amoureux de tous les gens magnifiques qu'on croise dans la rue, la vie deviendrait un enfer. Donc il y a cette modestie qui, en même temps, contribue à fabriquer par l'interaction, hein, donc par les échanges, par les intersections, par les frôlements, quelque chose qui fonctionne pas si mal et qui permet aussi de faire se cohabiter l'ensemble des composantes d'une société sans qu'il y ait de conflit majeur. Bon, bien sûr, ça ne règle pas tous les problèmes de la société, mais dans son genre, dans son registre, ça marche très bien. Et donc, cette idée de justesse, c'est-à-dire une ville, c'est un espace qui est organisé de façon efficace. C'est une machine, hein, d'abord, mais qui est aussi une machinerie plutôt bienveillante, facile à utiliser, comme on le dit dans le film, et qui offre une multitude, en fait, de services gratuits qui est au-delà des services qui sont effectivement gratuits parce que grâce à l'économie d'échelle, ça coûte moins cher qu'ailleurs, mais aussi le service gratuit le plus important que la ville offre, c'est l'auto-visibilité de la société à elle-même. Et ça, c'est un bien extrêmement précieux, hein, quand on sait que justement les conflits politiques ou interpersonnels peuvent être souvent interprétés, enfin la cause de ces conflits peut souvent être interprétée comme la conséquence du fait que les gens n'arrivent pas à interagir, ne se connaissent pas, s'ignorent. Hein. On sait que le vote pour les partis xénophobes, il est maximal dans les régions où il n'y a pas d'étrangers. Et donc, cette auto-visibilité à soi-même, c'est intéressant. Hein. Donc, je trouve que la justice spatiale, peut-être, disons, la composante géographique de la justice, c'est pas seulement de comprendre ce que c'est qu'une ville, mais on en a une idée quand on voit que dans l'espace urbain en particulier, les petits habitants, les petits acteurs ont un pouvoir d'organiser leur vie au contact des autres, en profitant des autres, sans que ce soit si difficile. Donc on approche à travers la ville quelque chose qui est propre à une société d'acteurs, c'est-à-dire le fait que le type d'égalité qu'on peut revendiquer, c'est l'égalité de la liberté. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans un système où vous auriez ou beaucoup d'égalité ou beaucoup de liberté, hein, c'est l'opposition classique et à mon avis complètement sans intérêt aujourd'hui entre, disons, les libéraux conservateurs et les sociodémocrates, donc les uns voulant plus de liberté et moins d'égalité et les autres l'inverse. En réalité, ce que demandent les urbains, c'est l'égalité pour disposer des mêmes libertés, d'inventer son propre parcours, hein, dans une société urbaine qui leur offre une multitude de virtualités qui ne sont pas forcément faciles à utiliser. Et donc c'est ce socle de compétences, de quelques moyens économiques, mais finalement qui sont assez secondaires, plutôt des moyens culturels, je dirais, pour appréhender et pour profiter, pour appréhender ces virtualités et pour en profiter. C'est cette égalité-là que la ville nous donne à voir comme horizon politique de justice. D'accord. Donc la justice, à mon avis, n'est pas si loin quand on pense la ville comme justesse. D'accord. À vous, mais je voudrais juste ajouter un truc, parce que si ta page est attaquée, il faut le défendre quand même, parce que c'est vachement bien ta page. Alors c'est vrai que ce choix est évidemment un résultat d'un hasard relatif ou de sérendipité, comme on disait comme on dit dans le film. Mais c'est vrai qu'il me serait paru dommage de ne pas consacrer une soirée au moins à cette réponse, à comment fait-on justice. C'est la justice que nous faisons. Et sans le savoir peut-être, ou sans vraiment se le dire, mais cette justice, elle est en effet dans la rue chaque fois que nous nous croisons. Après tout,
on ne s'est pas encore tous entretués, même s'il arrive qu'on s'entretue, comme tu disais, il y a des crimes évidemment, mais pour l'instant, nous nous sommes croisés dans la rue, nous, nous passons dans les clous, je ne sais pas quoi, et on ne s'écrase pas, enfin, on se flingue pas quoi, tout de suite. Quoi. Donc il y a une justice là qui n'est peut-être pas très visible ou pas très sensible, à mon avis elle est très visible et très sensible, mais c'est vrai qu'il faut peut-être apprendre à lire, comme ce film, je pense, essaye de le faire, de nous apprendre à lire aussi, et voilà, pour défendre ta page. Mais messieurs, à vous, c'est une réponse aussi qu'on attend de vous. Oui, c'est vrai que le film ne porte pas sur la justice, il porte sur l'urbanité, mais du coup il pose des questions sur les rapports entre ville et justice, ce que la ville, enfin sur les rapports ville et justice, et ce que disait Jacques Lévy sur l'auto-visibilité. Je crois que c'est vraiment une clé d'entrée, parce que le droit se construit progressivement, hein, au gré de conflits qui émergent, et la ville, c'est un géographe américain qui s'appelle Don Mitchell qui disait la ville, enfin le droit se gagne par l'espace, parce que la ville rend visible des problèmes, comme la ville définie comme urbanité par Jacques Lévy, c'est-à-dire une société très diverse, la ville réunit sur un espace restreint des groupes sociaux très divers, par la classe, par l'origine ethnique, par les goûts culturels, par l'âge, etc. Elle fait émerger aussi des micro-conflits, donc pose le problème du vivre ensemble, hein, pose le problème du vivre ensemble, et surtout permet à certains groupes, à certains problèmes, de se rendre visibles dans l'espace public. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que le film arrivait progressivement à la question de la justice par le biais du statut de la différence et du statut de l'espace public. L'espace public, c'est un lieu en ville. Effectivement, même si on s'abrite derrière des murs, dans des quartiers sécurisés, etc., on ne peut pas échapper à la probabilité constante de rencontrer quelqu'un de différent. Il y a des études sur les quartiers fermés des États-Unis qui montrent qu'en fait, ces quartiers, il y a des domestiques latino-américains qui y rentrent, etc. Ça reste quand même des quartiers, dans la pratique quotidienne, diversifiés. Et donc, ça pose des problèmes quand on vit dans une grande métropole, parce que le film, ça c'est une critique que je ferai après, elle est quand même très centrée sur les grandes métropoles, mais ça impose de prendre en compte l'altérité. Et donc, souvent, les villes ont joué le rôle, par leurs espaces publics, de production de nouveaux droits. C'est à partir du moment où les homosexuels sont descendus dans l'espace public, ont occupé des lieux symboliques de la ville, qu'ils ont pu se faire reconnaître des droits. Hein. Et donc, ce que pose le problème et donc toutes les réflexions qu'il y a sur ville et justice montrent ce rôle de la ville, comme elle rend visible des différences, elle permet de politiser des problèmes d'oppression, de domination, à des groupes minoritaires de se faire entendre et de se faire reconnaître des droits. Et je crois que, alors, comme le film était très axé sur la différence, l'espace public, on pouvait arriver par là à se poser des questions de justice. Il y a une autre conception de la justice qui est abordée dans le film, qu'on voit un peu au début, c'est le problème des inégalités sociales, proprement dites, l'inégale répartition des ressources, des richesses dans une société. Donc le problème de la justice sociale, la justice distributive, qui là aussi est rendu plus visible par la ville, parce qu'effectivement aujourd'hui la pauvreté est plus profonde dans les espaces ruraux, par exemple en France, mais la société urbaine est plus inégalitaire, parce qu'il y a beaucoup plus de riches en ville, il y a aussi beaucoup de pauvres, mais il y a aussi des riches en ville, et donc les inégalités sociales sautent aux yeux, et donc se pose aussi ce problème de la répartition équitable des richesses que la ville rend visible. Donc je crois que voilà, cette notion de visibilisation des problèmes et de faire émerger des conflits et donc des problèmes d'oppression, là il y a un rapport, vraiment un rôle joué par la ville à cause des espaces publics. Même si j'ai été quand même un peu frappé dans le film, c'est une petite critique, par le fait qu'on ne voit pas trop les conflits et les conflits d'acteurs, c'est-à-dire que il y a un peu pendant toute une partie du film, on est quand même dans une urbanité heureuse, les espaces publics, on voit des Chinois qui dansent, tout le monde se mêle là-dedans de manière assez facile, etc. Alors qu'on est dans des états totalitaires, à Dubaï,
Enfin, tu filmes Dubaï comme on filmerait Londres, enfin, avec des Pakistanais dans les parcs, comme ça, alors qu'on est quand même dans un état hyper ségrégé, où ils ont quand même un usage très limité de l'espace public, ils ne peuvent pas aller partout, il faut payer, il y a peu d'espace public gratuit, tout ça, à Dubaï. Donc voilà, on ne voit pas, justement, moi, ce que j'aurais aimé, enfin, ce qui aurait été intéressant pour des affaires de justice, c'est voir comment, dans un espace public, différents groupes s'affrontent pour faire reconnaître leurs droits, les différences d'usage de l'espace public, et on ne voit pas du tout ça. Tu nous montres après, à la fin du film, les villes divisées par des murs, etc. C'est le résultat un peu de ces processus conflictuels, mais on ne voit pas la ville en train de se faire, la ville comme processus politique, les groupes de domination. Il y a une phrase à la fin qui m'a choqué, quand tu dis... la ville telle qu'elle existe, c'est la ville telle que les sociétés urbaines l'ont voulu. Ou certaines parties d'entre elles. Ben justement, toute la question est là. Qui fait la ville? Quels sont les jeux de pouvoir qu'il y a derrière? Et donc, voilà, on aurait aimé que, je sais pas, la ville néolibérale, le rôle du grand capital, les acteurs privés, les groupes de pression, les associations d'habitants, les minorités, les migrants, enfin... Comment tout ça s'articule et produit la ville, et c'est là un peu une injustice. Puis il y a une deuxième critique, puis je m'arrêterai. Ou alors je la laisse pour plus tard. Non, c'est quand même... c'est pas la ville, c'est les grandes métropoles et les grandes mégapoles, hein, vues plutôt dans leur zone urbaine, dans leur zone dense centrale. Alors, tu vas un peu dans les périphéries, mais elles sont analysées à partir du centre, avec une vision de la ville... avec des modèles théoriques comme l'urbanité qui est élaboré à partir de l'étude des centres. Donc pour moi, ça reste une vision quand même, et un peu occidentale aussi, de la ville, voilà, comme idéal de la cité grecque, de l'espace public. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sur des modèles d'urbanité très différents qui s'élaborent dans les périphéries, avec des espaces publics qui naissent dans des endroits où on ne les attend pas, sur des parkings. Et c'est un peu absent du film. Voilà. Ok, juste avant de laisser la parole à Alain, parce que c'est quand même le magistrat qui va causer de cette affaire, je voudrais dire qu'on reviendra peut-être tout à l'heure, il ne faudra pas l'oublier, sur cette critique, moi je n'appellerai pas ça une critique, mais j'ai une question qui ressemble un peu à la tienne à propos du film, tout à l'heure, sur la justice et l'injustice. Oui, alors vous avez... Non, j'aime pas ça fait écho. Et vous avez bien compris que moi, je suis tombé dans un guet-apens. Parce que vous l'avez bien saisi, le mot justice tel qu'on le conçoit, il n'est pas dans le film. C'est autre chose, c'est une autre idée de la justice. C'est une justice d'harmonie, d'équilibre, mais qui ne concerne pas les soutiers que nous sommes. Donc il faut bien le poser. Lorsque j'ai vu que j'étais dans ce complot, je me suis dit, bravo Gilles, tu me mets dans un endroit où je ne pourrais pas réagir. Donc, j'ai regardé le film deux fois. Et j'ai trouvé une œuvre de cinéaste. Et il dit bien, d'ailleurs, le compère géographe, il dit bien, ça n'est pas un documentaire. Il y a quand même un geste de documentaire dans les commentaires qu'il dissémine au fur et à mesure. Mais c'est quand même une œuvre de cinéaste. Et je lui ai dit hier soir, c'est génial, enfin un scientifique qui se fait plaisir dans un de ses travaux. C'est clair. Et je dirais même que j'ai pensé au film de Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou, qu'il y a de la copie. Le film commence, vous l'avez vu, par cette vision d'une cité plongée dans le noir avec des lumières qui bougent. C'est exactement le début du film de Pierrot le Fou. Ça n'est pas une ville, mais c'est un port avec des bateaux dans le noir qui bougent insensiblement. Et le final de Pierrot le Fou, comme beaucoup d'autres réalisateurs, c'est de terminer par la mer. La mer, l'océan, qui blanchit. Donc, la fin de Pierrot le Fou, c'est comme ça, mais Kitano finit ses films comme ça. Et que fait-il, notre malin Lévy?
Il ne termine pas par une mer, il termine par une plaque d'eau limoneuse qui tourbillonne. Il commence à la filmer à côté d'un bateau et ensuite il la cadre exactement comme font ses collègues réalisateurs. Et il va passer de cette scène au blanc de Godard. Et j'aurais adoré qu'il fasse son générique sur ce blanc. Manque de bol. Là, le mauvais côté de la science revient et il colle une image de gens qui pédalent en Asie et tout. Et bien, alors là, vraiment, je me suis dit, merde pour le cinéaste. Il faut qu'il l'entende un petit peu. C'est tout. Donc, alors, bien entendu. Il a donc, bien. Alors, il y a ça. Et puis, cette thématique de la musique. Souvenons-nous, pour ceux qui étaient là hier pour Papon, j'ai détesté la musique de ce documentaire. Et j'ai posé la question à Baruch de savoir s'il avait choisi ces musiques, elles lui ont été imposées. Et il n'a pas répliqué. Il n'a pas vu que cette musique donnait un sens à ces images. Et là, notre ami Lévy a choisi trois compositeurs, Webern, Berg et surtout Ligeti, qui est quand même celui que Kubrick adorait mettre dans ses films, et qui rend tout de suite la pellicule complète avec une autre densité, un peu dramatique, un peu angoissante. Et malin comme une belette qu'il est, il va mettre ce ton italien derrière, qui est un ton doux, extraordinaire, fantastique. Et donc, il appuie sur deux pédales qui sont effectivement, moi, qui m'ont un peu broyé. Et c'est vrai qu'à la fin de ce film, je me demande, à part la partie sur la sérénité, ce qu'il a totalement voulu dire. C'est un petit peu dur. Mais au fond je me résume là. Et donc ce soir, vous l'avez bien compris, je suis coincé entre deux lecteurs du réel. Et alors, je reviens à la justice, nous. Vous devez comprendre que nous, on est là pour appliquer des lois qui sont faites par des députés, et ces députés sont élus par une nation, donc ça nous dépasse la conception de la loi. On ne fait donc que l'appliquer. Tout de même, il y a un camp chez les juges qui veulent essayer de comprendre comment ça fonctionne, et essayer peut-être même de faire de la prévention, ou en tout cas de comprendre comment le délit et le crime se constituent et se manifestent. On était, nous, mon âge, habitué aux sociologues, vaguement gauchos, que j'ai connu toute ma vie de juge, et que j'ai même salarié d'ailleurs dans un club de prévention. Ensuite, Lacan étant arrivé, on a transformé ces scientifiques en psychosociologues. Et c'était eux donc qui donnent le ton de la société et de la justice dont ils ont parlé tout à l'heure. Et maintenant apparaît cette nouvelle catégorie socio-professionnelle, les géographes, qui raflent le marché, mais qui raflent le marché, parce qu'ils ont une autre vision, et ce coquin de Lévy a rajouté à ce raflage, ce racket par rapport aux autres équipes socio-professionnelles, il y rajoute l'esthétique. Et là, donc, ce soir, je me retrouve prisonnier, donc je vais essayer après de vous dire ma notion d'espace, mais d'accord. Mais on va tâcher de te le laisser. Ça va, t'as l'espace de l'applaudissement en tout cas. Alors, juste revenir, parce qu'on y est, mais il y a quand même le mot injuste dans le film. À un moment donné, tu parles de ville injuste. Et si j'ai bien compris, la leçon, un vieux con de prof, ça a besoin de leçons. Enfin, ça aime bien les leçons. Et si j'ai bien compris cette leçon, peut-être sûrement pas la seule, si nous trouvons la ville injuste, il ne faut nous en prendre qu'à nous-mêmes, c'est ça, puisque comme dit Pérec, l'inhumain c'est nous, quoi. C'est vrai ça, je veux dire, ça rejoint un peu la critique de Thomas qui parlait de dépolitisation relative de ce film, c'est ça, si j'ai bien, pour résumer un peu la chose. Alors voilà, tu as été assez attaqué, Jacques, à toi de répondre. Alors, effectivement, d'abord sur le fond, j'ai longtemps considéré que Pierrot le Fou, c'était le meilleur film de l'histoire, donc bien vu.
au club. Et c'est vrai que du point de vue du langage cinématographique, ce que j'ai essayé de faire, c'est de traduire le type d'exigence qu'on a quand on écrit un travail de recherche, donc un article ou un livre. On a des règles du jeu qui sont plus ou moins respectées, puis qui sont éventuellement contestables, mais il y a des règles du jeu, et notamment de mettre les pièces sur la table, hein, c'est-à-dire la possibilité de reconstruction par le lecteur du raisonnement du chercheur, par le fait qu'on lui donne des objets empiriques, hein, on lui donne pas vraiment en fait, mais disons qu'on lui donne à penser qu'il pourrait les connaître s'il voulait, et y accéder s'il voulait. Et donc on essaye aussi d'avoir une rigueur dans le raisonnement. Donc je me suis demandé qu'est-ce que ça peut donner quand on utilise des langages cinématographiques, avec notamment cette image qui est perçue et travaillée par notre esprit d'une façon classiquement différente du texte, notamment aussi par le fait que l'image animée, elle appartient très majoritairement soit au monde de la fiction, soit au monde du journalisme, et qu'il y a une culture qui préexiste. Hein, donc, c'est une difficulté supplémentaire. Hein, donc, le côté coquin que mon voisin relevait, en fait, c'est aussi parce que j'ai essayé de rendre le spectateur plus actif que ne l'aurait été, disons, ce qui était pour moi un repoussoir, c'est-à-dire le documentaire avec une voix qui dit voilà ce qu'il faut penser de l'image. Hein, donc qui est le cas classique du documentaire qu'on voit à la télévision, y compris la plupart de ce qu'on considère comme des bons documentaires. Hein. Donc moi je voulais par exemple introduire des décalages, des contradictions. Par exemple, la scène où il est question de l'orgasme zénital, on dit, en fait, on part du figuratif, on va vers l'abstrait, mais en fait, l'image, c'est le contraire. Et donc, il y a un certain nombre de cas comme ça, avec pour intention de faire que le spectateur se sente un peu mal, et se dit, mais non, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, c'est le contraire. Donc, qu'il se réveille, qu'il soit actif. Il y a la scène de Chandigarh où, en fait, avant de montrer l'urbanité, la ville de Chandigarh, en fait, on montre ce qui est, à mon avis, des magnifiques réalisations architecturales de Le Corbusier, parce que Le Corbusier, à mon avis, c'était vraiment un magnifique architecte et un piètre urbaniste. Il a absolument rien compris à ce qu'était une ville, mais par contre, il a fait des bâtiments admirables. Donc, là, il y a ce moment où le spectateur, normalement, enfin, je ne le connais pas, mais d'après moi, il aurait dû douter. Mais qu'est-ce qu'il nous montre, là? Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, j'ai essayé de faire ça avec l'idée que, du coup, le spectateur pourrait utiliser le matériau empirique du film à sa façon. Hein, comme on devrait pouvoir le faire, en fait, on le fait. Les articles scientifiques sont souvent très mal construits pour ça, en fait. Hein. Mais donc, prenant au mot l'éthique de la recherche, je me suis demandé comment on pourrait faire. Donc, il faut inventer. Il y a aussi, bien sûr, tout ce qui est le travail sur l'image. Parce que moi, mon souci en tant que travaillant sur l'espace avec le cinéma, c'est la question de montrer en même temps l'acteur et l'environnement. Hein. Donc, dans le cinéma qui s'est imposé historiquement, il y a une domination du récit avec un espace qui est en fait presque entièrement généré par l'action. Alors que moi, ce qui m'intéressait, c'était le dialogue entre les individus et leur environnement. Et donc, arriver à montrer les deux à la fois, si possible de façon compréhensible, enfin qui fasse sens, ça n'allait pas de soi, je dirais, en utilisant le vocabulaire classique du cinéma de fiction. Hein, donc on a essayé aussi d'inventer des petites choses ou d'aller chercher, en fait, inventer c'est souvent déplacer, et nous on s'est trouvé
familiarité, une parenté, une filiation, en fait, avec une partie du cinéma de fiction, hein, donc effectivement Godard, mais aussi le cinéma muet. Hein, donc, en fait, mon vrai maître dans ce film, c'est L'homme à la caméra, hein, de Dziga Vertov, c'est Vertov avec son film L'homme à la caméra, qui montre qu'on peut faire un cinéma intéressant et contenant des éléments cognitifs, à la fois scientifiques et esthétiques, sans récit, avec une séquentialité du film qui n'est absolument pas une séquentialité d'une action. Hein, donc sans cette analogie typique de la narrativité, donc que c'est possible. Donc effectivement, l'idée c'était de passer par-dessus le cinéma populaire de fiction pour trouver aussi des inspirations ailleurs. Donc, alors, par contre, il y avait un reproche quand même inquiétant, c'était qu'il n'y avait pas de message, hein, finalement. Donc, brouiller, non pas les messages, mais brouiller une lecture non réflexive. Hein, c'était ça, l'élément. Mais le message, en fait, il est en gros, il tient, il y en a deux, et l'un des deux tient dans le titre. C'est urbanité, il y a un S, et le S tombe. Donc, on peut dire urbanité au singulier. Voilà le premier message, c'est-à-dire qu'il y a un concept d'urbanité qui a une validité à l'échelle mondiale. Et là, je réponds au passage à Thomas qui disait que c'était occidental. Alors, les Chinois sont hyper occidentaux. Il a raison, c'est vrai, les Chinois sont aujourd'hui hyper occidentaux. Donc, effectivement, il y a un système autoritaire, totalitaire dans le politique, mais la société chinoise ne se réduit pas à ça. Et même, d'ailleurs, dans la sphère politique de la Chine, on retrouve une technocratie assez proche de ce qui pouvait... Enfin, caricaturant, disons, ce qui pouvait exister à l'époque gaullienne en France, hein, avec l'idée... C'est moins un pouvoir personnel qu'à l'époque de De Gaulle, hein, c'est plus un collectif de gens qui ne sont pas du tout sympathiques, hein, bien sûr, mais qui prétendent savoir construire le bien public, ce qui est bon pour le peuple, en allant quand même beaucoup plus que la France de l'époque gaullienne, chercher des expériences à l'extérieur. Hein, donc, par exemple, le modèle singapourien est extrêmement travaillé, notamment sur le plan urbain, par les dirigeants chinois. Et en même temps, dans cette société chinoise, il y a un amour de l'urbanité qui est incroyable, et d'autant plus incroyable que c'est une société paysanne où il y avait 80% de paysans il y a encore très très peu de temps, hein. Et l'expérience urbaine, elle était très fragmentée, puisque dans le système maoïste, les gens en fait étaient parqués dans des ensembles qui comprenaient à la fois l'usine et puis des logements, hein. Donc ils avaient très très peu de mobilité, ils avaient très peu d'exposition à l'altérité, hein, ce qui est quand même embêtant pour découvrir la ville. Et cette capacité qu'ils ont eue d'inventer très vite en utilisant les expériences qu'ils avaient, parce que justement dans ces espaces semi-privés, ils pouvaient faire des choses aussi, hein, et donc cette manie qu'ils ont de danser l'espace public, ils l'occupent, et je dirais, ils ne l'occupent pas comme une armée, hein, ils l'occupent comme des gens intelligents, créatifs, et donc et ils croient à la ville, et ils croient au futur. Hein, c'est-à-dire que si on voulait résumer la crise de la société européenne, on pourrait dire panne de futur. En Chine, pour le moment, hein, ça va peut-être se gâter, mais pour le moment, il n'y a pas de panne de futur. Donc, effectivement, la Chine est une société des Lumières, à bien des égards, et donc, ce n'est pas étonnant que... c'est une société qui ne cultive pas son particularisme comme par exemple la société indienne. Hein, donc, elles sont très différentes de ce point de vue-là. Donc, moi, je ne pense pas que je me sois... appuyé sur une approche occidentale de l'urbain. Par contre, là où tu as complètement raison, c'est sur le fait que c'est pas un traité sur la ville, hein, donc y a plein de lacunes. Et donc, ce que tu disais était très juste, c'est-à-dire le fait qu'on s'intéresse plutôt aux grandes villes. Pourquoi ? Parce que, d'après moi, la grande ville, elle est plus urbaine. C'est-à-dire que l'urbanité, il y a une composante relative qui peut se trouver dans n'importe quelle ville, même les plus petites, même des choses qui ne sont pas des villes, même dans un village ou même dans une oasis où il y a un puits, et voilà, c'est déjà de l'urbanité. Mais en même temps, il y a une dimension absolue, il y a une dimension de masse, c'est-à-dire que les grandes villes sont plus villes que les petites. Donc ça, c'est un... ça peut se démontrer, mais disons,
je le suppose acquis dans mon choix de cadre empirique. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Et alors, plus difficile, enfin, argument encore plus fort de ta part sur le fait que je ne montre pas en fait la ville en train de se faire. Et notamment par le conflit. Donc c'est vrai que ça serait une autre orientation, ça serait un autre film très intéressant sur comment les conflits, comme, là comme ailleurs, hein, construisent la société, construisent la société dans laquelle on vit. Elle est le résultat de contradictions, d'oppositions, mais je maintiens néanmoins le fait que ce n'est pas, je maintiens une approche non conspiratoire, non structuraliste de l'état de la ville. Quand je dis que les modèles urbains qui s'imposent sont ceux que veut la société, donc avec les rapports de force de la société, mais n'empêche que quand vous regardez ce que je fais, en fait, c'est mon activité de recherche empirique principale, d'arpenter les différentes villes du monde, ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas le privilège des sociétés démocratiques que d'avoir un certain modèle urbain. Les grands modèles urbains qui sont présentés, Johannesburg, Amsterdam, en fait, ils sont présents de façon très marquée en Amérique du Nord pour le modèle de Johannesburg et en Europe pour le modèle d'Amsterdam. Et dans les deux cas, on a des sociétés démocratiques. Or, le modèle de Johannesburg, qui existe par exemple à Los Angeles, hein, pour l'essentiel, c'est un modèle de séparation, pas vraiment de ségrégation au sens où ça pouvait exister dans l'apartheid, mais où en tout cas, on a une très faible probabilité d'être exposé à l'altérité, où il y a une privatisation générale des espaces, notamment à travers la mobilité automobile. Donc, quand on regarde l'histoire de Los Angeles, ben c'est les habitants de Los Angeles. Il y avait un super réseau de trams jusque dans les années 40. Ils ont dit, ben non, parce que les trams empêchent les voitures de circuler. Nous, on veut des pavillons avec des jardins, donc on veut des faibles densités. Donc, les transports publics, ça va coûter très, très cher. Donc, l'automobile, c'est mieux et on va décider démocratiquement d'imposer ce modèle. Alors, vous pourriez dire, oui, mais dans les sociétés dictatoriales, c'est pas comme ça, mais regardez quand même la différence entre les sociétés dirigées par des dictateurs en Afrique subsaharienne et en Chine. Ils n'ont pas choisi le même modèle. Donc, c'est pas simplement parce que les dictateurs sont différents, c'est aussi parce que dans toute société politique, dans toute politéia, dans toute république, hein, même une république où l'état de droit ne règne pas, il y a des mouvements entre les habitants et ce qui se passe vraiment, entre les attentes des habitants et ce qui se passe vraiment. Et donc, par exemple, la conception très particulière de l'espace public en Chine avec un goût pour la rue, pour la place, etc., qui est un vrai espace public, mais le fait que, par ailleurs, comme on le voit dans l'exemple de Thamestown, ils ne sont pas fans du résidentiel intégré dans l'espace public où on rentre directement dans l'immeuble par la rue, mais plutôt fan des compounds, c'est-à-dire des résidences fermées. Donc ça, c'est vraiment les demandes actuelles de la société chinoise qui considère qu'il y a de l'insécurité, hein, un discours très proche de celui qu'on peut avoir en Europe avec les Mingong, hein, donc les migrants venant des campagnes qui sont considérés comme dangereux, donc on veut se protéger, etc. Ce n'est pas le gouvernement qui dit ça. Enfin, c'est pas le gouvernement traduit, mais il y a une vraie demande. C'est pour ça que... Et enfin, dernier exemple, en Chine, il y a beaucoup de gens qui résistent aussi, et même face à un pouvoir dictatorial, comme c'est une dictature qui est assez intelligente, qui veut durer, elle ne s'oppose pas à la société en tout. Elle choisit les domaines où elle est très très rigide, et puis sur d'autres points, elle est plus ouverte. Et donc, les gens qui résistent, on démolit pas quand même si facilement que ça leur maison. Donc, il y a une vie conflictuelle plus ouverte qu'on ne pourrait l'imaginer, pas fondamentalement si différente de ce qu'on peut observer dans des pays où il y a des structures démocratiques beaucoup mieux établies. Donc moi, je pense quand même, je maintiens l'idée que les modèles d'urbanité qui s'imposent sont certes le résultat de rapports de force, mais que dans ces rapports de force, les habitants ordinaires ne sont pas juste des pions, et notamment parce qu'ils ont, et c'est là que l'espace revient, un pouvoir de déménager, un pouvoir d'agir comme habitant
dans leur vie quotidienne. L'espace, ce n'est pas comme l'argent. Et donc, on ne peut pas considérer les inégalités spatiales comme sur un axe unique en disant il y a les riches et les pauvres. Hein, parce qu'il y a cette capacité, y compris donc, dans des pays relativement pauvres et relativement peu démocratiques, la capacité d'inventer son propre style spatial, sa propre vie, quelque chose qui est beaucoup moins facile si vous prenez l'axe de l'argent entre les riches et les pauvres. Je réagis juste sur la ville chinoise. Après, je laisse la parole à la... Enfin, en Chine, il y a quand même tout le problème de la population flottante, des migrants ruraux qui n'ont aucun droit en ville. Parce que tu dis la population a la liberté de déménager. Elle a la liberté de déménager, mais en Chine, il y a le système du Wukong, là, de la carte identité intérieure, qui donne accès aux droits. C'est-à-dire que si vous êtes né à la campagne, vous avez une carte d'identité rurale qui vous donne accès aux services hospitaliers, etc., à la campagne. Or, beaucoup de ces migrants ont quitté les campagnes, sont en ville, habitent en ville depuis 30 ans, ils n'y ont aucun droit. Donc en fait, et ils ont... C'est pas tout à fait aussi simple, mais ils ont un peu le même genre de droit que... Ils produisent pas la ville au même titre sans-papiers, que... les sans-papiers étrangers en Europe. Et encore un peu plus, parce qu'en fait, les Mingong sont tellement nombreux, ils représentent souvent un tiers de la population, qu'ils n'ont pas le droit d'aller, par exemple, dans les écoles officielles, mais ils ont leurs propres écoles. Et donc, cela dit, prenons le cas tel que tu le décris, hein, qui est un peu plus complexe en réalité, mais bon, oui, bien sûr, il y a des endroits où il y a des inégalités sociales, politiques. Donc, la ville de l'apartheid, prenons le cas limite, hein, où là, on avait des lois qui empêchaient les Noirs d'aller dans les quartiers blancs. Donc, on avait, bien sûr, des crimes contre l'urbanité. Donc, d'accord. Le problème, c'est que ce n'est pas l'urbanité qui produit ça. C'est ça mon deuxième message. C'est qu'il faut arrêter de faire porter à la ville des choses qui n'ont rien à voir avec elle, bien au contraire. C'est-à-dire que l'apartheid, c'est une idée anti-urbaine, puisque le principe même de la ville, c'est la densité et la diversité. Donc si malgré ce principe-là, qui est l'idée de l'espace à zéro dimension, vous dites « non, toi, tu restes là, toi, tu vas là », vous êtes contre la ville. Vous n'êtes pas seulement une ville inégale, vous êtes aussi contre la ville. C'est pour ça que je reprends l'idée de révolution urbaine de Henri Lefebvre, hein, qui a souvent été mal comprise, notamment en Amérique du Nord, où on a fait comme si révolution urbaine, ça voulait dire révolution communiste appliquée à la ville. Mais non, lui, ce qu'il veut dire, c'est que la ville est une révolution. C'est-à-dire que si on pousse jusqu'au bout ce qui fait d'une ville une ville, alors on va changer la société parce qu'on va faire de chaque habitant un acteur. Hein, donc je pense qu'il ne faut pas du tout être, irénique, hein, sur ce qui se passe de moche dans les villes. Simplement, il faut bien attribuer aux logiques ce qui relève d'elles, et notamment, donc, à mon avis, la logique de l'urbanité, elle est intrinsèquement égalitaire. Et donc, s'il y a des inégalités dans la ville, ce n'est pas parce que ce sont des villes. C'est plutôt malgré le fait que ce sont des villes. J'ai une question. Donc, vous avez dit que vous ne vouliez pas faire un documentaire, ce qui est vrai. Seulement, à un moment, il me semble quand même que vous tombez dans le travers du documentaire. Notamment dans les cas avec l'Inde, où justement, vous n'en parlez pas, mais vous montrez très clairement la problématique des castes. Et particulièrement à Bénarès, c'est-à-dire que vous n'avez presque pas besoin de le dire, mais c'est presque trop dit, quoi, dans l'image. Et donc là, on est dans le documentaire, finalement, un petit peu. Et le deuxième exemple, c'est aussi quand vous montrez les États-Unis et Détroit, donc avec les problèmes, évidemment, économiques de cette ville, où justement, vous marquez bien l'opposition entre richesse et pauvreté, et puis la déprise urbaine qui peut y avoir liée à cette richesse. Là aussi, vous êtes plus dans le documentaire que finalement dans le film. Qu'est-ce que ça veut dire, pour que je comprenne bien votre critique, être dans le documentaire, ça veut dire... Non, c'est pas... C'est, mais vous... Non, pour que je sache si je suis d'accord avec vous ou pas. C'est-à-dire que vous avez tendance à dire que le documentaire est quelque chose qui est redondant, c'est-à-dire qu'on a le discours qui nous dit qu'il faut regarder comme ça, et pourtant, il me semble qu'à deux reprises, vous tombez dans le travers, peut-être parce que le géographe a plus l'habitude, à l'origine, de faire des documentaires que de faire des films... de fiction ou des films artistiques.
Est-ce que ce n'est pas dans le chapitre « Quelle ville voulons-nous » ces images ? Ce qui est une réponse peut-être à ce que vous dites, parce qu'il faut bien qu'il montre quelle ville nous voulons, et il en montre quelques-unes. Bénarès, c'était avant. Avant Bénarès et Détroit, il me semble, non. Ça veut dire, c'est ce que vous voulez dire, c'est, on voit l'effet de la misère historique, ou je ne sais pas comment dire. Enfin, là, ce que je voulais dire, c'est que vous nous montrez des choses, mais vous nous dites ce qu'on doit voir aussi, oui, en fait. Voilà. Oui, je comprends, mais alors, oui, ça c'est une très bonne... Je peux répondre rapidement. Moi j'essaye de travailler sur une troisième piste qui n'est ni la fiction ni le documentaire. Enfin, documentaire peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Donc, il y a des gens, notamment, qui... C'est aussi un genre esthétique, hein, le documentaire. Donc, quand je dis documentaire comme repoussoir, ce n'est pas de ça que je parle. C'est plutôt le documentaire journalistique qui a, par rapport à l'article de journal habituel... d'ailleurs, souvent, les auteurs journalistiques de documentaires disent « Ah oui, j'ai fait un documentaire, donc c'est subjectif. » Et donc, en fait, les documentaires qui marchent le mieux, ce sont les documentaires de propagande aujourd'hui. Hein, donc, plus ou moins réussis, mais qui essayent de développer un propos axiologique, hein, donc politique, en éliminant tout ce qui ne va pas dans leur sens. Hein, et donc en utilisant tous les trucs du cinéma de propagande dans lesquels les nazis et les staliniens ont brillé pour faire, c'est-à-dire par exemple arranger des interviews, plusieurs interviews de plusieurs personnes comme si c'était une seule personne. Hein, ça c'est quelque chose qui est extrêmement banal dans le documentaire journalistique et profondément malhonnête. Le fait d'avoir les réponses sans avoir les questions, par exemple, ça c'est quelque chose que dans le travail en recherche dans les sciences sociales, personne n'oserait faire, enfin, en tout cas dans l'écrit. Donc, c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut se démarquer de ça. Mais effectivement, le problème alors, si on vise un cinéma scientifique, le problème, c'est de combiner, je dirais, monstration et démonstration. Hein, le fait que l'image, ça montre, donc ça active un certain type de perception dans notre cerveau, dans notre esprit, qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de la lecture. Et que, donc, il y a un problème, effectivement, un problème notamment parce qu'il est nouveau, de combiner l'honnêteté de la démonstration avec cette monstration. Donc, moi, là, j'ai fait un choix qui est à forte composante de cohérence, c'est-à-dire si vous considérez qu'il y a deux grandes qualités dans un travail scientifique, la cohérence et la pertinence, c'est-à-dire la cohérence du discours, la cohérence interne du discours, et puis le fait que ce discours parle d'une réalité, se laisse déranger par les réalités. Donc moi j'ai fait plutôt un parti sur la cohérence, parce que justement je trouvais que c'était là que le manque était le plus criant. Donc il y a un côté un peu dogmatique, hein, dans ce film, c'est-à-dire qu'il assène des choses dont beaucoup de choses ne sont pas démontrées dans le film. Il donne à voir, donc il y a des éléments, j'espère, de pertinence, hein, y compris d'ailleurs le fait qu'il y a beaucoup d'endroits en Chine où on a tourné, où je n'étais jamais allé, en fait. Et donc, on s'est créé, dans l'équipe du tournage, des conditions de construction du film pour se faire nous-mêmes déranger. Hein, mais bon, je reconnais que la dimension cohérence est beaucoup plus forte que la dimension pertinence, parce que justement... le but était de dire, ben, on peut être beaucoup plus dans la logique de la démonstration à partir d'axiomes, à partir d'un vocabulaire très rigide qui ne change pas, et vous pouvez ne pas être d'accord, par exemple, en disant votre théorie ne marche pas. Mais comme on peut le faire, finalement, quand quelqu'un fait une conférence ou écrit un article. C'était ce type de réaction que je voulais susciter. Quel est votre regard sur la construction d'une ville toute petite comme Euroville, cette toute petite ville utopiste indienne ? Euroville qui est partie d'un désert, ah oui, et qui est une toute petite ville de 2400 habitants et qui est partie de l'utopie d'un certain nombre de, oui, gens. Même Bergerac, oui, mais on pourrait en parler. Non, 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 parce qu'on part du désert, là. On part d'un désert et des... et de gens qui ont décidé de construire une ville à partir du désert, ouais, et à partir de pas de justice, pas de militaire. Ouais. Bon, disons qu'il y a deux aspects, je pense, dans cette
dans ce genre d'exemple, on pourrait citer aussi Christiania à Copenhague, donc des morceaux de ville où on essaye d'appliquer des règles utopiques, donc des hétérotopes qui sont presque des utopes parce qu'on est parfois très éloigné des règles communes. Hein. Donc ça c'est un aspect très intéressant. Et l'autre aspect également très intéressant, c'est peut-on fabriquer une ville ? Alors, d'une certaine façon, toutes les villes sont des villes nouvelles, puisque, justement, elles ont été fabriquées par les humains. Mais je réponds donc d'abord sur ce deuxième point, parce qu'il est plus facile. En fait, ça ne marche pas trop bien, les villes nouvelles. Hein. Donc, pourquoi ? Parce que, justement, il y a une absence... On évoque ça à un moment dans le film... Il y a une absence de diversité temporelle, en fait. Hein. Et donc, les villes nouvelles qu'on connaît en France, elles ont coûté quand même très, très cher pour un résultat qui n'est toujours pas convaincant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des emplois, il y a du logement, je ne sais pas moi, à Cergy-Pontoise ou à Marne-la-Vallée, mais on n'y va toujours pas. On n'y va toujours pas. Voilà. Mais oui. Alors que cette histoire... Cette histoire commence à être longue, mais néanmoins, elle est longue, mais comme une succession, une superposition de couches qui, à chaque fois, n'en ont pas. Et donc, il me semble que c'est des leçons intéressantes, c'est des expériences intéressantes. Donc, du coup, j'y crois pas non plus quand c'est un groupe qui, de toute pièce, crée une ville. Hein. Donc, ça, c'est un problème. Sur l'autre question, c'est la question de qui rejoint quand même un peu la précédente, mais est-ce qu'on peut, jusqu'à quel point on peut innover à l'échelle sociétale avec néanmoins un petit groupe, hein, et le risque, à mon avis, à ce moment-là, c'est le paradoxe, disons, de l'éco-quartier ou de ce genre de situation où vous allez, par exemple, comme ça se fait dans un certain nombre d'éco-quartiers, avoir des gens, les premiers habitants, qui vont sélectionner les autres habitants qui sont aussi déterminés qu'eux à faire du neuf sur une base très intéressante dans le principe, sauf que du coup ils vont être tous pareils et ils vont ne pas accepter les gens qui n'ont pas les mêmes convictions écologiques, par exemple écologistes qu'eux, et le risque à ce moment-là c'est de créer de la non-diversité, hein, et donc du coup d'avoir un espace isolé de gens qui s'entendent bien mais qui n'ont pas, on pourrait dire, de sociétalité, hein, et donc toute la question c'est de savoir quelle est l'échelle minimale dans laquelle on doit avoir beaucoup de diversité. Tout le monde est d'accord pour dire que dans son propre logement c'est pas franchement nécessaire, on a le droit d'habiter tout seul dans son logement, pas avec un panel représentatif de la société. Par contre, dans l'espace public, là, on voit bien que se joue quelque chose. Et donc, moi, je suis assez sceptique sur des projets qui sont extrêmement généreux et qui génèrent de la sympathie. Et des conflits nombreux, mais qui, justement, empêchent le conflit en créant de l'homogénéité, si c'est le cas. Hein, mais il y a plein de cas de figure différents. Donc, moi, au fond... Éric Charme, hein, en parlant du périurbain, a parlé de l'effet de club. Il a dit qu'en discutant avec lui, je me suis aperçu que ce qui est très important pour les gens qui habitent dans ces clubs résidentiels, c'est de choisir ses voisins. Et donc, on pourrait définir justement les deux grands modèles d'urbanité de cette façon. Il y a ceux qui veulent absolument choisir leurs voisins et ceux qui veulent absolument ne pas choisir leurs voisins. Et donc, il me semble que là... On peut analyser les exemples dont vous parlez aussi sous cet angle. Est-ce que je peux... en attend, excusez-moi. Non, je trouve que tu as une approche un peu, je dirais pas structuraliste, puisque tu es critique, mais essentialiste un peu de la ville, au sens où il y aurait une essence urbaine qui serait cette urbanité existant en tout temps, en tout lieu, quel que soit le système politique. Et je trouve que tu la valorises de manière systématique, cette urbanité. Alors, elle existe en Chine dans un état totalitaire, un peu moins à Los Angeles dans un état démocratique. Bon, mais la question, si on raisonne en termes de justice, c'est pas l'urbanité en soi. L'urbanité, c'est une formidable potentialité en termes de créativité, parce qu'il y a de la diversité, d'innovation, mais on peut en faire
ça peut susciter le pire comme le meilleur, en quelque sorte. Et donc, l'urbanité, faire coexister plein de populations comme à Dubaï, où en fait, c'est 80% de la population qui fait vivre les 20% restants. Enfin, il me semble que c'est difficile de valoriser systématiquement l'urbanité. À Dubaï, il y a une classe moyenne. Hein. Oui, il y a une classe moyenne aussi. Et qui est étrangère. Parce qu'il y a une proportion tellement petite. Donc ça, là, tu as lu Mike Davis, mais tu devrais... Lui a osé écrire un livre sur Dubaï sans y aller. Ouais, ouais. C'est quand même un peu gênant. Et donc, si tu vas à Dubaï, tu verras qu'en fait, bien sûr, les prolétaires sont des Bangladais, mais les médecins sont aussi des étrangers. Les ingénieurs sont aussi des étrangers. Donc, en gros, c'est une société extraordinaire, d'ailleurs, comme expérience historique, où les autochtones pourraient disparaître du jour au lendemain et personne ne s'en apercevrait parce que la ville marcherait sans doute d'ailleurs encore mieux. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il y a une classe moyenne à Dubaï, mais simplement, enfin, il me semble difficile d'abstraire complètement l'urbanité du système politique dans lequel elle s'inscrit et qui va pouvoir exploiter de manière positive ou pas cette urbanité. Enfin, je veux dire, Los Angeles, certes, c'est une ville très ségrégée, n'empêche que c'est là, de Los Angeles, que vient toute cette réflexion sur la justice et l'injustice spatiale, parce que c'est des géographes de Los Angeles travaillant sur Los Angeles qui ont produit toutes ces théories qui aujourd'hui nous servent à penser la ville de manière plus juste. Donc, justement, et c'est pas en Chine qu'on l'a produit. Donc, revenir à penser la attendez, ville. Attends, excuse-moi, mais la salle va s'impatienter. Il y a une dame qui demande la parole. Voilà, moi justement, je voulais revenir sur la Chine parce que moi, ça a été une de mes grandes surprises. Bon, j'ai vu beaucoup de villes. Et j'ai vu beaucoup de pays, j'ai vu beaucoup de villes. Et en fait, moi, c'était une grande surprise. Bon, je suis allée en Chine. En fait, je ne voulais pas aller en Chine à part la Grande Muraille, la Cité Interdite, également l'armée de terre. Et en fait, bon, moi, j'ai eu un fils qui a fait son stage en Chine et qui, d'ailleurs, a adoré la Chine. Il s'est baladé avec ses amis en Chine. Il a appris un peu le chinois. Et moi, c'était une surprise, je veux le dire. Alors, c'était absolument inhumain, parce que c'est une vie où... Notamment, j'étais donc dans la capitale, j'étais aussi à Shanghai. Et alors, chaque fois, c'était incroyable, c'était inhumain. Et alors, notamment, ils détruisent beaucoup de patrimoine, de beaucoup de petites maisons. Et alors, ce que j'ai trouvé incroyable, d'ailleurs, nous, on a passé notre temps dans les rues, c'est justement la vie qu'il y a dans les rues. Et notamment, tout se passe dans les rues. Alors, ils dansent dans les rues, on se fait masser dans les rues. Les gens mangent dans les rues, ils vivent dans les rues, ils jouent au mahjong dans les rues. Et moi, on a trouvé ça vraiment très pulsant. Et je n'avais pas envie, moi, d'y aller. Bon, et en fait, j'en suis revenue véritablement, vraiment enchantée par les gens, notamment. Et on a eu différents guides représentant chacun des parties de la Chine. On a eu un jeune, on a eu quelqu'un qui avait accompagné en France la délégation communiste chinoise. Au moment de Georges Marchais, on a eu à peu près tout, et on a eu quelqu'un d'extraordinaire qui nous a expliqué les jardins en Chine et qui nous expliquait qui remerciait quelque part Mao de leur avoir permis d'avoir quand même quelque chose, parce qu'autrefois ils étaient rien, mais surtout que Mao n'avait jamais rien pu faire contre eux, parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes ils étaient libres. Alors notamment, ils aimaient les oiseaux, ils étaient passionnés des oiseaux, ils font chanter les oiseaux, ils aimaient les pierres, ils avaient tous un peu des collections de pierres, les bonsaïs aussi. Et j'ai trouvé ça incroyable, la manière dont ce peuple qui effectivement peut paraître opprimé de l'extérieur. Moi j'avais beaucoup enfin, j'avais pas envie d'y aller. J'étais impressionnée de la manière dont ils ont récupéré, j'y suis allée quand même il y a 10 ans. Mais vraiment, j'avoue, c'est une expérience, moi je me suis beaucoup baladée, une expérience quand même impressionnante. J'ai beaucoup aimé, comme j'ai aimé effectivement l'Inde, mais différemment. Mais j'ai trouvé ça, j'avoue que je leur rends hommage, moi j'ai trouvé ça passionnant. Voilà. Merci. Donc Alain... Puis-je avoir la parole ? Oui, moi je voudrais quand même revenir à un problème un petit peu concret, parce que je crois que les nouveaux géographes ont envie de peser sur la politique territoriale. Et au fond, leur science devrait les amener à ça. Moi, je suis désolé, pour l'instant, je n'ai que de la géographie presque physique, de la cartographie, même si, effectivement, vous décrivez des sociétés. Moi, je vous demande à l'un et à l'autre comment
intervenir sur les politiques, comment intervenir sur les politiques territoriales. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que le descriptif, c'est une chose. Vous restez encore dans la cartographie. Moi, je souhaiterais que vous entriez maintenant dans l'action, puisque les autres catégories dont je parlais ont un petit peu quitté la scène, que vous êtes là. Est-ce que, justement, ces théories, vous avez des moyens pour les mettre en pratique? Comment le faites-vous et quel est votre objectif? C'est d'accord pour rester 2 jours? Ça va être un peu long. Pardon? Bon, alors, vous avez compris la question, messieurs les géographes. Qu'est-ce que vous attendez pour peser sur les politiques, bordel? Disons, moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est que mes camarades dans les sciences sociales, toutes les sciences sociales, géographie... Je crois d'ailleurs qu'il y a une science du social, et donc, des transversalités différentes, des dimensionnalités, des dimensions différentes. Donc l'espace en est une qui est assez intéressante, mais évidemment, tu as tout à fait raison de dire que le politique, par exemple, dans ton objection, tu disais quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire être dans une république démocratique ou être dans une dictature totalitaire, c'est pas la même chose. Mais par contre, c'est intéressant de voir jusqu'à quel point il y a une certaine autonomie des différentes dimensions du social. C'est ça que j'ai voulu dire. J'ai pas voulu dire que c'était pire d'habiter à Los Angeles que à Chongqing. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il peut aussi y avoir des choses intéressantes, je dirais, pour l'humanité en Chine, comme par exemple cette capacité à mettre une sono dans la rue et se mettre à danser. Ben moi, j'aimerais bien que... ça se passe aussi un peu plus souvent en Europe et ça se passe en Chine bien que ça soit une dictature. Donc voilà, donc je pense qu'on est d'accord, mais je trouve que de ce point de vue là la dimension spatiale, effectivement, sur la scène publique française, elle progresse, c'est vrai que c'est frappant de voir qu'il y a beaucoup de débats publics. Regardez des auteurs comme Christophe Guillouy, Hervé Le Bras, Emmanuel Todd, Anne Clerval, donc qui anime le débat public sur des questions d'espace. Donc ça veut dire. Et puis il y a eu tous ces débats sur la dimension géographique du vote d'extrême droite. Donc ça doit vouloir dire quelque chose, le fait que la société aujourd'hui s'intéresse à nous. Donc du coup, ça nous donne des responsabilités. C'est vrai. Mais en même temps, je dirais que notre première responsabilité. Alors, moi, je réponds toujours oui, puisque j'ai fait, par exemple, une cartographie alternative à la réforme régionale. Donc, je ne m'en récuse pas. Mais je pense que notre responsabilité principale, quand même, et c'est comme ça, je suis un peu inquiet pour les sciences sociales. Vous avez vu que le Premier ministre japonais a dit « on les supprime parce qu'elles ne servent à rien ». Bon, c'est vrai que les sciences sociales japonaises n'ont pas clairement montré leur utilité. Et en France, on les supprime parce qu'ils excusent tout. Mais voilà, et aussi, voilà. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ça, c'est-à-dire que même si c'est des gens malveillants qui disent ça, qu'on prenne au sérieux leurs critiques et qu'on se demande en permanence est-ce qu'on apporte quelque chose d'autre que ce qu'on apporterait si on était, par exemple, des militants. Je crois que c'est très dangereux des sciences sociales qui deviennent simplement des partis politiques. C'est un peu le risque parfois quand on va en Amérique du Nord, on se demande si même si on sait que c'est pas des frontières, que là aussi c'est des dimensions, que bien sûr quand on est un chercheur on a aussi nos idées politiques et que ces idées peuvent être des ressources, mais que le fait de dire que tout se vaut, que la démarche scientifique et la démarche idéologique sont la même chose, sont interchangeables, je pense que c'est dangereux, et je dirais que notre première responsabilité, c'est ne pas se tromper de présent, c'est de ne pas se tromper de présent, c'est-à-dire d'activer notre capacité critique d'abord à décrire le réel tel qu'il est. Oui, encore une question. Oui. J'en reviens au film. Ce film me paraît quand même tout de même laconique et ne reflète pas l'extrapolation de vos propres, de l'extrapolation de vos doctes propos. Moi, j'ai ressenti de la misère, beaucoup de misère,
peu d'esthétique urbaine. Je pense que ce n'est pas l'individu qui choisit le style de l'urbanisme, mais qui souvent le subit. La preuve, il vit dans des favelas, on l'a vu vivre dans des ruines. Détroit, aujourd'hui, est quand même une cité qui est en perdition, vu que l'industrie automobile s'est complètement cassée la figure et que c'est un pays qui est pratiquement en ruine. Alors, je ne vois pas en ça une démonstration de justice, mais plutôt un élément de division, un manque d'appel à l'humanisme, à l'envie de vivre en collectivité. J'ai dit. Merci, voilà un pessimisme qu'on partage un peu tous. Hein. Non, mais vous avez raison, je crois. Mais bon, je remercie quand même les géographes de lutter contre ça parce que, et de donner quelques raisons d'espérer malgré cette vision un peu juste. Mais ils vont mieux répondre que moi. Non, mais juste un mot, je suis très content en fait, que vous disiez ça parce que justement, je voulais, en faisant ce film, qu'on puisse dire à la fois ce que j'ai plutôt dit là dans le débat et ce que vous avez dit, parce que ça y est dans le film et c'est l'idée que justement on n'a pas besoin, ça y est quand même clairement, je veux dire le premier point d'arrêt avec la musique de Webern, hein, il y en a quelques-uns comme ça, c'est à Manille, je pense que c'est assez clair, bon, mais que on va pas enjoliver la situation, on va pas dire venez dans les villes, vous serez heureux. D'accord, mais c'est justement l'idée de se débarrasser de ça, sans l'oublier, bien sûr, pour dire, mais il y a une autre manière de regarder l'urbain, en regardant ce qui fait, effectivement, pas l'essence au sens d'un essentialisme, ce qui fait le propre de l'urbain, ça c'est intéressant, c'est pas juste une boîte dans laquelle il y a les pauvres et les riches, c'est aussi une manière de fabriquer du social qui est en elle-même intéressante. Et c'est ça, donc il faut que vous disiez ça, il faut qu'on dise, oui, c'est moche, c'est triste, c'est sale, il y a des méchants, oui, c'est important pour que justement on puisse aussi dire, bah oui, mais il y a aussi autre chose qui est ces liens, qui sont ces liens faibles, qui sont l'espace public, hein, ce que rappelait Gilles, hein, notre corps, il est extrêmement vulnérable, c'est facile de tuer quelqu'un. Et donc, il y a une espèce de merveille recommencée jour après jour, quand Hannah Arendt dit que le politique, c'est un commencement. Hein, donc, chaque fois que vous sortez dans la rue, vous commencez à fabriquer une société politique. Et donc, si la ville n'apporte que ça, ben, ma foi, c'est peut-être pas si mal. Oui, et attention à ne pas faire preuve trop non plus d'ethnocentrisme quand vous dites que c'est des villes moches. Parce que... Ah si, vous avez dit moche. Laide. Elle manquait d'esthétique. Bon, ok, elle manque d'esthétique. Non, mais parce que c'est vrai qu'on voit ces forêts de tours des villes chinoises, okay, qui, aujourd'hui, les tours et les grands ensembles en France font figure de repoussoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a 30 ans et 40 ans, c'était l'idéal de la ville moderne. On a vu hier un film sur l'Algérie, enfin, on a vu des images dans le film sur Papon de promotion d'Alger et des cités qu'on construisait comme la ville moderne. Hein. Aujourd'hui, les Chinois qui habitent dans ces tours, pour eux, c'est un statut, c'est un symbole social de réussite énorme. Ils y sont très contents et on retrouve ces... Si. À Séoul, qui est une société démocratique, on construit aujourd'hui, les villes asiatiques se construisent sous forme de forêts de tours, et en quelque sorte le rêve de Le Corbusier il se réalise en Asie aujourd'hui. C'est comme ça qu'on construit les villes, et les Tianji sud-coréens par exemple, donc ces grands ensembles, c'est des lieux de classe moyenne extrêmement vivants, socialement valorisés, et où sont des classes moyennes en phase d'ascension sociale qui habitent. Hein, et eux le perçoivent de manière extrêmement positive. Quoi. On a tous entendu parler de ces tours qu'on détruisait devant les gens en pleurs parce que c'était leur maison. Quoi. Ouais, mais... ceux qui habitaient dans les corons du temps de Zola. Ah ben non, c'est pas du tout la même chose. Hein. C'est pas une question. Je vais poser une question au blaireau qui est au milieu entre les deux géographes, Alain Bressy, le blaireau qui résiste. On a beaucoup parlé de l'urbain en tant que production ou non de justice.
mais je voudrais renverser le truc, c'est-à-dire en quoi l'institution judiciaire a pu produire de l'urbain. Je vais essayer d'être plus précis dans ma question. Au XIXe siècle, au moment où l'urbanisation émerge et que les sciences sociales vont multiplier les statistiques, notamment pour la criminalité. Donc il y a une forme de contrôle social qui s'effectue par les États au XIXe siècle. Les écoles de sociologie de Los Angeles, de Chicago ont beaucoup travaillé là-dessus. Non, en France, est-ce que l'institution judiciaire crée de l'urbain au sens de contrôle social, notamment avec la police, c'est-à-dire, est-ce que la justice aussi peut transformer l'urbain? Alors, je crois que elle l'a transformé, mais l'institution judiciaire la transforme de moins en moins, pour la bonne et simple raison que il faut que vous sachiez que dans la justice, il y a deux corps. Il y a le corps qui est représenté par les magistrats du siège, qui sont des gens en principe indépendants, donc qui rendent des décisions et qui ne sont pas mutables si leurs décisions déplaisent au pouvoir. Et de notre côté, il y a un autre magistrat qui est lui chargé de représenter la société, qui reçoit des consignes du gouvernement et de son ministre, c'est le représentant du parquet, le procureur de la République. À l'heure actuelle, celui qui est en train de modifier la face des villes, c'est effectivement le procureur de la République et plus les tribunaux, parce que la dernière réforme félonne que les députés ont votée, à très peu d'ailleurs de nombre dans l'Assemblée, va donner au procureur de la République et au préfet des pouvoirs identiques sans en référer à un magistrat du siège. Donc je pense que la justice, elle fabrique de moins en moins de villes. En revanche, justement, pour revenir à cette question d'espace et de justice, je voulais quand même dire une chose. Je ne voulais pas quitter cette enceinte sans pouvoir la dire. Justice, c'est le droit, c'est-à-dire avoir des droits. C'est ainsi que l'on peut affirmer son identité. Et les révolutionnaires l'avaient tellement bien compris que, à partir de la Révolution, ils ont multiplié les juridictions dans toute la France de manière à ce qu'il y ait un juge près du citoyen, ce qui n'existait pas auparavant parce que le Pékin moyen ne savait pas qui allait le juger et où. Donc ça, c'est la première pensée des révolutionnaires. Et ensuite, il y a celle des résistants du CNR, du Conseil national de la résistance, qui ont écrit ce texte merveilleux qui s'appelle « Les jours heureux » et qui ont donc phosphoré sur la société telle qu'elle serait après la libération. La société, donc, la démocratie, c'est-à-dire les villes et les campagnes. Ils ont donc mis une liste de nouveaux droits, droits de l'environnement, droits de la santé, droits du travail, enfin, une liste absolument incroyable. Et quand il fait pour que ces droits soient applicables, eh bien, ils les ont répartis sur le territoire. Ils ont dit dans chaque département, il y aura un représentant de ce droit. Et ça a donné pour la santé, la DAS, la direction départementale du travail. Ce qui voulait dire pour ces résistants-là, et De Gaulle, que l'on a critiqué beaucoup hier à juste titre pour Papon, mais qui n'a pas fait que du mal, qu'il a mis en scène jusqu'à son départ au référendum, il a appliqué à la lettre cette consigne que de mettre des droits à la portée du citoyen sur le territoire et dans la ville. Et le CNR a écrit que c'est à ce prix-là que nous aurions une cohésion sociale, c'est-à-dire une possibilité de vivre ensemble. Que se passe-t-il? Et c'est ce que je raconte dans mon spectacle, c'est qu'à partir de 2007, Nicolas Sarkozy fait un trait sur ses administrations. Donc ces administrations disparaissent, elles sont absorbées dans une espèce de magma qui s'appelle direction de la population, direction de du territoire. Les agents qui suivaient chacun de ces droits sont mélangés, mixés, brassés, leur culture est complètement disparue. Et lorsque le citoyen de la ville qui estime que son droit, notamment le droit du travail, est violé, il n'a plus d'interlocuteur valable à qui s'adresser.
pour qui on va monter un dossier et il n'y a plus de juge au bout de ce droit. Ce qui veut dire que le droit du travail, le droit de l'environnement, tous ces droits techniques, moi, juge, je les ai vus disparaître de mes audiences correctionnelles. Et c'est pour ça que je peux t'affirmer que nous nous barrons de la ville et nous nous barrons de la démocratie complètement. Et donc, j'affirme que cette injustice territoriale, elle est à base de ce ciment qui était la cohésion sociale qui est en train d'exploser parce que les gens sont seuls face à une hydre de l'air, à une mondialisation. Ils ont peur de l'autre. Et la ville leur permet d'avoir encore plus peur de l'autre parce qu'il n'y a plus de droits, plus de garanties, plus de juges. Merci. Ouais. En tout cas, merci Philippe pour cette question. Si je peux juste rebondir, je ne dirais pas que la justice, est, je rebondis sur ce qu'a dit Alain, est plus présente dans l'espace et dans l'urbanisme et dans l'espace des villes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le contrôle et la norme, ils sont de plus en plus présents. Vidéosurveillance, quand on refait une place publique, on enlève les bancs parce que banc égale clodo. Donc, de plus en plus en amont, y compris dans les sociétés démocratiques, en amont de l'urbanisme, aujourd'hui, dans la planification de l'espace urbain, il y a clairement des processus de contrôle et de normalisation par la technique qui sont extrêmement violents, et que les géographes étudient. Hein, et on s'aperçoit que, justement, la vidéosurveillance, par exemple, ne réduit pas du tout le crime, mais en revanche, normalise les usages de l'espace public. Ça vire les punks, en gros, c'est-à-dire que ceux qui sentent qu'ils n'ont pas un usage désiré changent d'endroit. Bon. Donc il y a clairement des processus aujourd'hui de normalisation, pas de judiciarisation, mais de normalisation et de contrôle important de l'espace à l'œuvre dans les sociétés démocratiques, quoi, ça c'est sûr. Voilà, avec deux autorités, celle du préfet. Et celle du procureur. Exactement. Jusqu'à présent, avec l'état d'urgence, le préfet était en tête de gondole. C'est-à-dire qu'il était devant le procureur, mais maintenant, il est à égalité avec le procureur, mais le juge disparaît derrière. Et on est dans une situation très voisine de ce qu'avait créé Napoléon III dans les campagnes. Exactement la même. Procureur-préfet. Et d'ailleurs, depuis quelques années, le procureur et le préfet font des réunions de sécurité tous les lundis ou mardis, c'est en début de semaine. Donc ces deux personnalités décident de ce qui va se passer sur le territoire sans que, évidemment, le citoyen en ait conscience ou en soit simplement averti. Donc ça veut dire que tout à l'heure, quand je parlais de politique territoriale, bien, cette politique-là, presque judiciaire, mais elle n'est pas judiciaire puisqu'elle n'est que de bas étage du ministère de l'Intérieur. C'est ce qui est en train de virer dans nos villes. Et donc, j'ai envie de dire et de penser que ce soir, au moins, même si vous êtes enchanté par les places de Pékin ou de la Chine, il y a la place de la République. Où je viens tout à l'heure d'être invité pour jouer mon spectacle. Ça s'appelle donc Nuit debout. Et peut-être que là, nos amis géographes vont porter le fer en disant voilà le lieu nouveau de la justice. Merci. Enfin, on va se quitter là-dessus, c'était pas mal. Merci à tous et à demain, j'espère. Et il y a toujours des livres, oui.